Alors peut-être que la première réaction qu'on pourrait avoir à ce thème, c'est déjà se poser la question, quelle est la différence entre chercher sur Google et trouver sur Google? Finalement, on aurait tendance à se dire que c'est la même chose. Pas forcément. Pour vous donner un cas concret, si vous vouliez savoir qui je suis, qui va animer cette conférence aujourd'hui, peut-être que vous taperiez dans Google « speaker Blade Web Mix conférence Google » ou vous arriveriez sur un résultat de recherche et vous iriez cliquer dans les différents résultats de recherche pour savoir qui je suis. Puis si vous vouliez en savoir plus, peut-être que vous effectueriez une nouvelle recherche sur mon prénom et mon nom pour savoir où je travaille, etc. Quand on trouve, c'est pas pareil. Quand on trouve sur Google, on pose simplement la question et on dit « Ok Google, qui va présenter la conférence ?» Avec Google, tu cherches où tu trouves. Et au lieu d'avoir un résultat, une liste de résultats, on a simplement ce type de réponse, une box finalement, qui vous donne toutes les informations sur la personne qui va vous présenter cette conférence, en l'occurrence moi, qui m'appelle Laetitia Dormoy. Je suis consultante e-marketing à l'agence Acti. Et via cette box, vous apprendrez aussi que je suis sur Lyon, que j'adore la cuisine parce que j'ai un Instagram qui est plein de photos de cuisine. Et puis que si vous vouliez suivre mon actualité, ma veille sur le marché, vous pourriez me suivre sur Twitter, LinkedIn ou encore sur blog d'Acti, l'agence web où je travaille. Donc c'est ça la différence entre chercher et trouver sur Google. Chercher, c'est je me débrouille avec les liens que me fournit Google. Et trouver, c'est poser directement une question dans le moteur auquel je vais avoir directement ma réponse. Donc la question, c'est aussi de savoir comment Google est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse, ou en tout cas, comment il est en train d'y passer, puisqu'à terme, on peut estimer qu'on n'aura plus qu'un seul résultat qui prendra la forme de la box, du Knowledge Graph, dont je viens de vous donner un exemple. Alors, pourquoi il passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse? Eh bien, tout simplement parce que les usages changent. La première, bien sûr, qui est l'avènement du mobile. Vous devez savoir que pour la première fois cette année, les recherches Google sur mobile ont dépassé les recherches sur desktop. Donc forcément, ça a un impact direct sur la manière dont on va chercher l'info. Quand je suis sur mobile, je ne cherche pas de la même manière que quand je suis sur ordinateur. Je vais chercher peut-être des informations plus pratiques. Je vais chercher des informations qui sont localisées. Ou encore, je peux utiliser la recherche vocale. Donc ça change pas mal de choses dans la structure et dans la recherche même de l'information. On a aussi un nouveau besoin qui est la recherche de vitesse. Si vous faites du développement, si vous faites du référencement, du marketing, vous devez tous les jours vous battre contre le temps de chargement de vos pages, sur l'expérience utilisateur pour trouver l'info la plus rapidement possible, pour qu'elle soit partagée, qu'elle soit analysée le plus rapidement possible. Et ça, c'est un besoin que Google a bien compris, donner la possibilité à ses utilisateurs de trouver l'information le plus rapidement possible. Et puis enfin, une nouveauté, et pas des moindres, qui est l'arrivée des assistants personnels, donc en l'occurrence Google Home, mais Google Assistant, pardon. On pourrait très bien parler de Siri ou encore de Alexa, Cortana, où là, on change totalement la manière de chercher et donc de trouver l'info. Puisque là où auparavant j'avais mon petit clavier, mon écran pour taper ma recherche et mes mots-clés, et où j'avais un écran et ma souris pour cliquer sur des résultats de recherche, là on n'a plus tout ça. On n'a plus d'écran, on n'a plus de clavier, on n'a plus de souris. Donc ça implique que ma recherche soit suffisamment précise pour que mon assistant comprenne ce que je veux dire, et que mon assistant, mon robot, mon moteur de recherche soit suffisamment intelligent pour comprendre et me synthétiser la réponse dans une réponse vocale assez courte. Donc on a des usages qui changent complètement. Et puis, en parallèle, on a notre ami Google qui, lui, s'adapte à ces mutations, à ces nouveaux usages. Donc ça commence en 2010 avec les premières recherches vocales, le fameux OK Google, qui donne la possibilité aux utilisateurs de faire une recherche par la voix. Donc la recherche par la voix, elle est totalement différente de la recherche par mots-clés. Quand je tape une recherche mots-clés, je m'adresse à un robot, donc je tape des mots-clés qu'un robot peut comprendre. Quand je recherche par la voix, je m'adresse à presque une personne. Donc la recherche est totalement différente. Et puis Google va continuer dans ce sens, à muter vers un moteur de réponse avec le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, c'est vraiment la base du moteur de réponse,
puisqu'à partir de ce moment-là, pour la première fois, au lieu d'avoir une liste de liens, j'ai la réponse à mon information directement dans le moteur sans avoir à cliquer sur le moindre lien. Donc là, c'est vraiment la base de tout, puisque à partir de ce moment-là, je passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse où j'ai toutes les informations, en tout cas une partie des informations que je recherche, sans avoir à aller sur les sites web. Une autre mise à jour très importante et qui va aussi beaucoup transformer le moteur Google, c'est la mise à jour Hummingbird ou Colibri, puisqu'à partir de ce moment-là, Google va essayer de comprendre ce que je recherche. C'est-à-dire que pour une recherche qui pourra avoir différentes réponses, Google va essayer et va comprendre mon intention pour me fournir le résultat qui correspond à ma recherche à moi, qui ne sera pas forcément la même que celle de mon voisin. Donc ça devient de plus en plus pertinent, et ça revient avec ce qu'on disait pour les assistants personnels. Les moteurs deviennent de plus en plus intelligents et deviennent capables de comprendre et de synthétiser une réponse à une question donnée. Et on voit qu'on continue dans cette logique avec RunBrain qui va encore plus loin et qui là carrément essaie d'anticiper la question qu'on va poser. Donc d'un côté, on a des usages qui changent. D'un autre côté, on a un moteur de recherche qui mute. Et ça, ça a plusieurs impacts sur la manière dont on va faire du référencement, puisque ça a des impacts assez importants sur les moteurs de recherche, les résultats de recherche et la manière de faire du SEO. La première, c'est une forte croissance de la recherche vocale. Est-ce que vous avez une idée du volume de recherche vocale sur mobile aux États-Unis actuellement? Vous diriez combien? 10? Non, c'est un peu plus. C'est 20%. En 2016, les recherches vocales mobiles sur Google se sont faites par la voix, donc Google ou Android. Donc 20%, ça commence à devenir important. Et si on estime, si aujourd'hui on a 20% aux États-Unis, on va vite arriver à ce volume en France. Et avec la progression du mobile, des assistants personnels, tout ce qui va être smart device, il y a fort à parier qu'on va vite arriver à 30, 40, voire plus. Donc c'est un fort changement dans la manière de traiter et de rechercher l'information. Et ça va avoir justement un impact sur la manière dont nous-mêmes on va poser des questions et dans la manière dont Google va devoir comprendre ce qu'on recherche. Les recherches, elles deviennent de plus en plus sous forme de questions. Donc c'est un impact forcément, c'est un impact direct du mobile et de la recherche vocale. Puisque je parle, comme je parlerai à mon voisin, je pose une question, j'engage une conversation avec mon moteur de recherche. La recherche, elle est aussi localisée, puisque j'utilise beaucoup mon mobile. Il y a de fortes chances que je sois à l'extérieur et que j'ai besoin d'avoir des infos sur des commerces, sur des produits, sur des événements qui se trouvent à proximité de là où je me trouve. Donc on a une forte progression des recherches localisées. Elles visent forcément une réponse courte. Quand je suis sur mobile ou quand je parle à mon assistant personnel, c'est pas pour me taper 10 pages de contenu à lire ou à réciter par mon assistant vocal. Donc la recherche, elle est précise et elle vise une réponse courte. Et enfin, elle est engageante, puisque si je pose une question en local et qui est court, il y a de fortes chances que je sois un utilisateur intentionniste. Si je cherche les horaires d'ouverture du magasin de chaussures d'à côté de chez moi, je pense que ce n'est pas pour le plaisir de connaître les horaires d'ouverture, c'est parce que j'ai vraiment l'intention d'y aller dans les heures qui suivent. Donc si on arrive à se positionner sur ce type de requête, on arrive à capter des utilisateurs qui sont intentionnistes et qui sont en phase de générer une conversion. Et puis l'impact, c'est pour pouvoir se calquer à ce besoin d'avoir des infos, des réponses courtes, c'est l'apparition et la progression des formats enrichis et de la fameuse position zéro que vous devez voir de plus en plus dans vos résultats de recherche. La position zéro, c'est un peu le saint graal du référenceur. C'est cette petite box que vous voyez au-dessus de vos résultats de recherche et qui prennent un format enrichi, donc soit via l'extrait d'un article, soit via des listes de bullet points. Donc là, ça pourrait être pour une liste des idées de visite pendant un séjour, ça peut être pour les recettes de cuisine, pour ceux qui cuisinent régulièrement, ou ça peut être des formats plus formatés, justement, sur des heures, des résultats de calcul, des itinéraires ou encore des températures.
Donc ça, ces extraits enrichis, peut-être que demain, on n'aura plus que ce format dans Google. Et donc la position zéro, ça deviendra le seul et unique moyen de se faire connaître sur une recherche. Donc forcément, si on veut capter ces 20% aujourd'hui de recherche vocale, et peut-être demain, ces 30, 40, 50%, et s'adapter aux moteurs de réponse, votre objectif en tant que référenceur, webmarketeur, ça va être de capter cette fameuse position zéro. Donc la question, c'est maintenant comment on fait ? Comment on travaille son référencement pour un moteur de réponse ? Comment je peux capter cette fameuse position zéro via le référencement naturel ? La première technique, la première chose que vous pouvez engager, c'est ce qu'on va appeler la longue traîne plus. La longue traîne plus, c'est le même principe que la longue traîne classique. Donc c'est au lieu d'aller chercher des mots-clés à fort volume de recherche, je vais plutôt aller sur des mots-clés qui sont plus longs, mais sur lesquels j'ai plus d'opportunités de me positionner. Donc c'est la même technique, si ce n'est qu'on va lui ajouter une couche conversationnelle. La couche conversationnelle, ça veut dire que je vais y intégrer des mots comme qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, de sorte à engager une conversation entre mon site, le moteur de recherche, et mon internaute qui est en train de poser sa question. Une application concrète de la longue traîne plus, ça va être les FAQ. Les FAQ, c'est tout simple, ça existe déjà sur certains sites. C'est l'application directe, c'est je pose une question, je crée une page sur mon site qui répond à une question que peut se poser mon utilisateur. Donc, les FAQ, c'est un bon moyen de faire de la longue traîne plus, mais maintenant, sur quelle question je me positionne ? Ben, l'information, vous l'avez certainement en interne. Là, on est dans la conversation, donc il faut que vous récupériez toutes les informations, toutes les conversations, les échanges que vous avez avec vos clients, soit en physique, soit via des questions qu'on peut vous poser par emailing, sur les questions que vous pouvez identifier sur les forums ou encore sur les commentaires que vous avez sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de compléter ces informations, vous pouvez très bien utiliser des outils comme Answer the Public ou SEMrush qui, à partir d'un mot-clé d'une thématique, vous extrait toutes les questions et les volumes de recherche sur ces questions qui sont posées. Et quand vous avez ça, vous avez toutes les informations, toutes les clés pour vous positionner sur la recherche vocale et vous positionner sur cette fameuse position zéro. Alors, ça suffit pas forcément. On a vu que les recherches vocales, elles étaient localisées. Donc, comment faire du référencement sur de la recherche géolocalisée ? La base, c'est déjà la fiche Google My Business. Donc, si vous avez plusieurs établissements, plusieurs boutiques, bien créer une fiche par business en essayant d'y générer des avis locaux. Donc, essayez au maximum d'aller faire vivre cette page Google My Business avec des avis. Bien faire figurer, c'est un peu bête à dire, mais bien faire figurer sur son site le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Et puis, on peut aussi travailler le contenu avec des pages locales optimisées. C'est tout bête, mais au lieu d'avoir une page contact avec la liste de tous vos établissements, vous pouvez créer une page par établissement avec des photos qui lui sont dédiées, un contenu créé, voire des liens qui sont destinés à cette seule page et à cette seule localisation. Et puis on peut aussi, en complément, travailler le netlinking local. Alors ça veut dire un peu d'annuaire, mais vraiment de manière soft, on va dire, et travailler peut-être avec des médias locaux ou des sites qui sont identifiés dans la même zone géographique que vous. Et puis le dernier point, c'est travailler la structuration de vos données. On a vu que la position zéro, elle prenait la forme de formats enrichis, donc soit des listes, soit des extraits, soit des formats. Et donc, pour favoriser cet affichage, on va utiliser les données structurées. Les données structurées, ce sont des balises pour vulgariser qui respectent le protocole qu'on appelle schéma.org et qui va permettre de taguer vos données de sorte à ce qu'elles prennent un format particulier dans les moteurs de recherche. Donc il en existe pas mal, je vous invite à aller sur le site schéma.org où vous allez avoir toute la liste des types de données qu'on peut structurer. Donc vous pouvez l'avoir pour des contenus culturels où ça va apparaître sous forme d'événements. Ça peut être des produits, ça peut être des avis en ligne, ça peut être des organisations pour les entreprises notamment. Et ça va favoriser l'affichage structuré, enrichi dans les moteurs de recherche et ça va vous aider à gagner cette fameuse position zéro. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les balises, Google a également sorti dans la Search Console un outil d'aide au balisage des données structurées dans lequel vous pouvez baliser totalement un article sans avoir même à toucher au code. Donc en résumé,
Pour s'adapter au moteur de réponse, pour être positionné en position zéro, et pour s'adapter à la recherche vocale qui arrive à grands pas, penser utilisateur, bien partir des besoins des questions utilisateurs, penser local et bien adapter votre technique pour formater vos contenus au format Google. Et je vous remercie.